Un avion de Singapore Airlines s'effondre à la porte d'embarquement. Le train d'atterrissage d'un avion de Singapore Airlines s'est rétracté, laissant le nez de l'avion s'effondrer au sol devant la porte d'embarquement. L'Airbus A330-300 venait d'arriver de Shanghai à 00h49 dimanche matin et était censé se rendre à Hong Kong plus tard dans la matinée lorsque l'accident s'est produit à la porte A17 du terminal numéro 3. Selon les rapports, un technicien était à bord de l'avion et effectuait une maintenance de routine du train d'atterrissage vers 8h. Lorsque ce dernier s'est rétracté, projetant le nez de l'avion au sol. Des photos de l'accident semblent montrer que la porte avant est endommagée. Personne n'a été blessé et un avion de rechange a été utilisé pour transporter les passagers vers Hong Kong. Un porte-parole de Singapore Airlines a déclaré qu'un examen des dommages sera effectué lorsque l'avion aura été remorqué. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.tomonews.net.